Pour commencer, on dit action. Et là, les acteurs commencent. 3, 2, 1. Action. Action making of. Ben moi, jouer le personnage tantra. Où il est ton traîneau? Il est cassé, il n'y a plus d'essence. L'or, c'est l'essence du traîneau, c'est ça? Il y a, c'est un petit garçon qui a du charisme, il a quelque chose. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le réalisateur soit gentil avec moi et aussi l'acteur avec qui j'ai travaillé, Taraïm. Tu sais, je vais commander un tour de traîneau avec toi. Mais à chaque fois que tu joues avec des gosses, ils sont les maîtres du rythme, du temps, de tout ce que tu veux. Il faut s'adapter à un gosse. Il faut être patient. Parce que c'est vivant, un enfant, ça joue pas. Alors quand on lui demande de jouer, des fois c'est un peu compliqué. Tar, lui, il m'a aidé à jouer. Il m'a donné beaucoup de conseils. Rentre chez toi, petit, je te jure, c'est bien. Je sais pas rentrer chez moi. C'est pas mon problème, ça. Moi, il me rappelle un peu moi quand j'étais gosse, où j'étais tout le temps sur la lune. Rien m'émerveillait, et puis je me faisais plein de films et tout. Et surtout, c'est un garçon très intelligent, en fait. Il a capté la machine du cinéma, comme un jeu. Donc il a gardé toute son innocence. Et moi, ça m'a surpris, je me suis dit, bah ouais, c'est un gosse, quoi. Avant, c'était un petit garçon qui jouait avec un comédien, maintenant, j'ai deux comédiens. Ça, c'est assez génial pour ça. Alors moi, je veux que tu me parles un peu de Victor Cascadeur. Pour commencer, j'étais sur le toit. Vous avez déjà vu un petit garçon sur le toit? Alors Victor, généralement, il a peur 5 minutes, et puis après, ça l'éclate. Et du coup, l'enfant dans l'histoire est accroché assez haut. Il nous a fait des trucs très bluffants, il est très habile, très agile, à faire des vrais plans spectaculaires. Je pense qu'il a dû quand même prendre beaucoup de plaisir à s'amuser à faire ça. C'était bien. Je vais devenir sportif quand je serai grand. Sportif cascadeur, sympa. Il y a des moments où il est extrêmement surprenant, c'est génial. Prêt et action. J'ai dévasté la cuisine, j'ai jeté les pots, c'était super! T'as pas le droit de faire ça à la maison? J'ai pas le droit de faire un souk pareil! Action! Forcément, quand on décide qu'un petit garçon de 6 ans et demi va être le personnage principal d'un film, après il faut réfléchir à qui est destiné ce film. Donc j'espère que ça va être vu comme un film. Pour moi, c'est un film familial. Je dirais à Alex que j'ai beaucoup aimé son film, que j'ai bien aimé jouer, et merci!